de toujours. Elle peut surtout avoir des formes et des motivations très différentes. La mauvaise autocensure, c'est lorsque elle ne fait que traduire une censure d'un pouvoir politique ou un pouvoir de l'argent sur la libre expression des journalistes. Il peut y avoir aussi une autocensure qui signifie qu'on ne dit pas n'importe qui, n'importe quoi, à n'importe quel moment. Et qu'on est responsable de ce que l'on dit et que la transparence absolue, par exemple, n'est pas forcément une vertu. Donc ne pas dire tout ce qu'on sait, dans certains cas, pour les journalistes, ça me paraît finalement de bonne pratique. Mais reste à savoir quoi et pourquoi.